Vous le rentrez. Ça, c'est le lit, là, où on dort, vous savez, ma chambre à coucher. Oui, ça, c'était ma soeur, et ça, c'est mon père et ma mère. Et ça, c'est mon mari, c'était mon mari. Ça, c'est les enfants des frères et sœurs, là. Ça, les enfants de Dieu. On est bien là. Yo, yo. J'ai des bons amis ici, et puis c'est bien. Le plus. Qu'est-ce que je veux dire? Je vois qu'on est ensemble, et puis qu'on peut un peu parler ensemble. C'est bien aussi. On continue de vous lancer. Votre but, toujours le même, faire tomber le plus de quilles possible. C'est bon pour vous? Oui. Oh, dommage! Il y a un peu plus de 30 ans, la MSA a été interpellée par les aînés ruraux qui souhaitaient pouvoir vieillir dans leur environnement culturel et sur leur territoire. Et donc la MSA a expérimenté des petites structures de façon à permettre à ces seniors de rester sur leur territoire et de pouvoir vieillir en toute autonomie. Notre MARPA de Huningue, c'est vraiment un outil qui a permis de faire le lien entre les personnes qui souhaitaient rester chez elles et celles qui étaient obligées d'aller en EHPAD. Ce qui est formidable, c'est que ce sont des établissements relativement petits où forcément règne une atmosphère familiale. Et ça, ça change tout. Et vous, c'est comment? Josiane. Oui, okay. Mais je suis la fille. En règle générale, je passe la journée avec mes parents. On fait quelques petites courses avec maman et puis on se balade. Ils ont leur appartement, c'est bien. Ils avaient déjà vu cette résidence en se baladant. Donc j'ai demandé à maman, mais qu'est-ce que t'en penses? On va peut-être aller voir. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Ben, ce qui me plaît, c'est que déjà, la charge d'entretien et tout ça n'est plus aussi lourde que dans une maison. Il y a aussi la partie un peu, d'assistance. Sans que ça soit, c'est pas médicalisé, mais au moins, d'ici à quoi que ce soit, ils peuvent appeler quelqu'un, ils sont plus tout seuls. Quand on parle où tu es, ben, je suis à la lunette et puis je suis tranquille. On est complètement indépendant. On est chez nous, c'est tout. Hein. On rentre, on sort quand on veut, comme on veut. On ne rend compte à personne. On peut inviter des amis. C'est un petit village, oui. Et là, tout le monde se connaît. Puis nous, on ne regrette pas d'avoir quitté pour être venu ici. Hein, pas du tout. Les résidents qui sont ici, ils sont chez eux, à leur domicile, mais pas seuls. Il y a nous aussi, en tant que personnel, on est aussi là pour eux. On est là tout le temps. Il y a des petits groupes qui se forment. Il y en a qui, maintenant, tous les matins, qui vont marcher. Il y en a d'autres qui se retrouvent à 17h pour faire des jeux de société. C'est un peu comme leur famille. Pour nous, c'est très important. Et c'est ça qui nous plaît aussi à la Dunette. C'est qu'on a le temps de les écouter, de leur parler, de les connaître. L'idée de ce concept, c'est être à domicile. Leur domicile, certes, c'est le logement, mais c'est à la fois la structure dans son ensemble. Donc c'est vraiment une maison qui est ouverte, qui permet aux familles de pouvoir profiter librement de leurs proches, de venir dans la MARPA. Et donc c'est un véritable lieu de vie. Nous avons la chance que cette MARPA ait été étudiée depuis de très longues années, avec une résidence pour des seniors, une maison d'accueil pour les petits et les tout-petits et une maison des associations pour les seniors. Et je peux vous dire que de temps en temps, vous avez des images tout simplement craquantes entre les papis et les mamies et les enfants qui viennent les boire. Nous avons donc ici un véritable pôle social qui permet aux résidents de la Dunette de ne pas du tout être isolés au sein de la collectivité. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes qui sont venues là, qui ont retrouvé une joie de vivre qui leur a permis de garder non seulement la qualité de vie, mais surtout le fait de vouloir continuer de vivre. Ça, c'est absolument remarquable.
L'avantage de rentrer dans une marpa, c'est de se retrouver en sécurité avec du personnel qui vous accompagne, mais à la fois de rester complètement autonome, citoyen et libre de ses choix.